Bonjour à tous et bienvenue dans Expérience Vendée pour cette deuxième émission. Je suis ravie d'être à vos côtés, ravie aussi d'avoir à mes côtés tous mes invités. Merci beaucoup d'être présents. Évidemment, je vous présente tout à l'heure. Merci au public aussi d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous avoir ici au village du Vendée Globe pour une émission spéciale thalassothérapie et bien-être. Alors, avant de commencer, on va parler d'un petit quiz qui aura lieu tout à l'heure dans l'émission. Alors, vous qui êtes à la maison, vous pouvez jouer, évidemment, participer en famille, il n'y a aucun souci, mais la différence c'est que les personnes qui sont dans le public vont pouvoir jouer directement avec un QR code que je vous demande à tous de flasher dès maintenant. Flashez ce QR code que vous avez sur votre flyer et juste après, pendant l'émission, je vous donnerai le petit code qui vous permettra de jouer et de répondre à mes questions. Évidemment, comme je l'ai dit, à la maison, vous pouvez jouer et surtout, si vous voulez vraiment participer, vous le savez, il ne vous reste qu'à venir ici au village du Vendée Globe. Allez, pour commencer, on va faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour mon invité d'honneur. Je vous demande d'accueillir Sébastien Simon. Bonjour Sébastien. Alors, comment allez-vous? Pouvez-vous rapprocher de moi? Je pense qu'on est pas mal. On est bien là, comme ça. Ça va? Oui, bonjour à tous. Oui, ça va très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment très gentil. Alors, vous êtes passionné de voile et de compétition. Vous êtes ingénieur de formation. Vous avez découvert la voile quand vous étiez petit, avec votre papa, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et c'est un univers qui vous a touché tout de suite. Vous êtes resté fidèle, évidemment, à cet univers. Vous ne l'avez jamais quitté. Et après avoir remporté la solitaire du Figaro en 2018, vous êtes prêt pour le départ de l'édition 2024 du Vendée Globe. Est-ce qu'on est vraiment prêt? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Avant chaque grand événement, je ne pense pas qu'on soit totalement prêt, mais effectivement, ça fait un moment qu'on y travaille. Et moi, j'ai commencé la voile, comme vous l'avez dit, avec mon papa quand j'étais tout petit, ici au Sable d'Olonne, dans cette baie. On partait en croisière tous les deux, donc c'était des moments d'expérience et de partage ensemble où on découvrait des nouveaux ports, voilà, c'était de nouvelles aventures, on rencontrait des gens, etc. Et puis à l'âge de 12 ans, je me suis passionné pour la compétition en optimiste, donc ces petits bateaux de 2,20 m de long, ces petites coques de noix. Et puis, j'ai évolué encore un peu plus haut, en 420, etc., où j'ai fini 3e à des championnats du monde. J'ai été passionné, mordu, probablement plus par la compétition et la voile que par l'école, mais n'empêche que j'ai réussi à rebondir sur une école d'ingénieur en structure et composite. Et puis, en fait, l'appel du large était trop fort et je suis devenu marin professionnel en 2014 en remportant une sélection. Et puis, en 2020, j'ai participé à mon premier Vendée Globe, où malheureusement, j'ai eu un abandon en 4e position dans les mers du Sud. Donc ça a été un épisode très très frustrant pour moi et j'avais qu'un seul souhait, c'était de revenir ici en 2024. Et c'est le cas, ça y est. C'est le cas et c'est assez incroyable de voir le bateau ici après tout le travail qui a été effectué, tous les moments que j'ai pu vivre personnels, professionnels pour en être là aujourd'hui. Et surtout, je suis accompagné d'un partenaire vendéen qui... C'est une histoire qui dure puisque j'ai rencontré Paul-Henri Dubreuil et sa famille en 2018 et depuis, voilà, c'est une relation qu'on entretient et aujourd'hui ce sont les partenaires majeurs de mon bateau et j'en suis très honoré. En tous les cas, la course au large vous attend d'ici peu de temps. On pense bien à vous, évidemment. On va discuter encore pendant l'émission ensemble de tout ça. Mais pour l'instant, je vais vous présenter aussi les acteurs du tourisme qui nous accompagnent sur le plateau. Et on va commencer tout de suite avec la jeune femme qui est à votre gauche, Sébastien. Enchantée, Isabelle Auriol, vous êtes directrice de l'Institut Hôtel 4 étoiles Thalasso et Spa Côte Ouest. Ça va? Oui, merci. Très bien. Merci pour votre invitation. Mais c'est nous qui sommes heureux. Merci beaucoup de représenter évidemment l'Institut. Et à vos côtés aussi, alors je vous mets dans la boucle parce que vous faites partie du même établissement, Franz Ames. Vous êtes responsable technique à l'hôtel 4 étoiles, donc Thalasso et Spa Côte Ouest. On le sait, la Vendée est non seulement une terre de nature, mais aussi de bien-être. Et parlez-nous justement des activités que vous proposez tous les deux, parce que j'ai entendu parler de gel hydromassant, d'enveloppement d'algues, de relaxation aquatique. Ça fait rêver, mais on a besoin de savoir dans le détail, évidemment, comment ça se passe. Peut-être, oui, Isabelle, nous dire quelques mots. C'est une vraie parenthèse de bien-être, un lâcher-prise total, autant physique que mental. Donc, il faut venir essayer la thalassothérapie au Sable d'Olonne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Isabelle, on est déjà dans la zénitude. Vous avez vu cette petite voix toute douce, toute zen. J'ai envie d'être dans le spa avec vous. Vous savez ce qu'on va faire? On va regarder tout de suite un témoignage que vous nous avez tourné, qui est magnifique. Regardez les images, c'est parti. Alors,
Alors, la thalassothérapie, on l'utilise pour les bienfaits marins. Ça va permettre de se relaxer au niveau corporel et apaiser l'esprit. C'est une parenthèse de bien-être grâce aux vertus de l'eau de mer qui détend le corps et l'esprit. Alors, en thalasso, nous retrouvons d'autres soins comme l'enveloppement d'algues, qui est à base de laminaire, qui apporte des oligo-éléments. Nous faisons aussi des boues marines, qui là va apporter au niveau des articulations un bienfait anti-inflammatoire. Nous faisons aussi des modelages sous plus marines. Donc c'est vraiment une combinaison d'eau de mer et le massage thérapeutique. Alors Côte Ouest, c'est un lieu d'exception, comme vous le voyez. Donc nos clients sont vraiment là pour un lâcher-prise complet, mental et physique, et ils se sentent comme chez eux. Alors Isabelle, on se sent comme chez vous et comme chez nous, c'est ça qui est génial. Est-ce que vous avez des petites choses à nous raconter justement par rapport à ce que vous proposez pour compléter le petit témoignage que nous vous avez donné? On est vraiment dans un espace de détente et de bien-être autant sensoriel que des contractions musculaires au niveau des massages. Donc on fait tout pour vraiment que nos clients soient dans la zénitude totale, dans nos soins et dans l'ambiance aussi. Avec le lâcher prise, j'ai bien noté hein, qui était au top du top. France, on va parler avec vous de quelque chose qui est passionnant, c'est le parcours de l'eau. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors nous, au service technique, on a la gestion de l'eau en fin de compte, c'est-à-dire qu'on doit l'hygiène de l'eau et puis la production d'eau de mer chaude. Donc nous, on pompe via un émissaire en mer. À chaque marée haute, on pompe à peu près 200 mètres cubes et on va la réchauffer, la distribuer pour les soins, pour que Isabelle puisse faire ses soins, on va dire. Ah, vous travaillez main dans la main tous les deux, hein? Oui, pas enfin, toujours. Enfin, quasi. Hein. Oui. Non, c'est-à-dire que nous, c'est vrai, on est l'ombre cachée. Disons, on est la partie cachée de la thalasso, c'est qu'on se retrouve au sous-sol. C'est vrai qu'on nous voit très peu, sauf en cas de problème là-haut. Mais notre vie est plutôt dans les sous-sols à gérer tout le stockage de l'eau de mer et la production, quoi. Et aussi bien le traitement des piscines, etc., pour que tout le monde puisse faire des soins sans avoir de problème. Il faut savoir quand même qu'on est contrôlé par l'ARS. Mmh. Il vient régulièrement pour analyser l'eau et analyser l'eau des piscines, histoire qu'on distribue pas une cure aux microbes, malheureusement. Hein? Mais actuellement, on n'a jamais eu de soucis. Les seuls soucis qu'on ait pu rencontrer sur l'établissement, c'est lors des grosses tempêtes où il y a eu... Les pétroliers qui sont échoués dans le Nord-Vendée. Et là, comment vous faites dans ces cas-là, c'est alors, compliqué, non? Alors, c'est le gros souci. Ah oui. C'est qu'on est obligé de fermer le pompage. On a la chance que sur la plage de Tanchette, on peut quand même pomper par infiltration à marée haute. Mmh. On ne peut pas pomper la totalité de ce qu'on a besoin. Donc, on fait une filtration par le sable de la plage et on vient remplir ce qu'on peut remplir. Et avec des analyses régulières de l'ARS, de la part de l'ARS, sur tout ce qui est hydrocarbures, etc. Ouais, c'est des techniques de dingue, quand même. Hein. Voilà. Juste, alors Isabelle, moi je me pose quand même une question, parce que France, vous disiez, je suis dans l'ombre, nous on est plutôt dans les sous-sols, etc. Est-ce que de temps en temps, vous permettez à France de se détendre un petit peu? Non mais, c'est vrai, on se pose tous la question, le pauvre. Je les invite tous les jours à venir, toute l'équipe, mais... Non, prenez soin de l'équipe. Non, ils ne veulent pas trop venir. Bah France, c'est pas qu'un truc pour les filles, hein, c'est quoi ce truc? Alors... Oui, non, c'est vrai qu'on bénéficie, disons, on pourrait bénéficier, mais on ne le fait pas. Bon, il faut savoir qu'on a une équipe de 6 techniciens, en gros, pour gérer tout ça, parce qu'on gère aussi l'hôtel. Hein. On a aussi les problématiques de l'hôtel, de la cuisine, des chambres, etc. Donc, on n'a pas le temps. Et quand on a passé un certain temps au travail, au bout d'un moment... On veut rentrer à la maison, mais bien sûr, c'est vrai. Allez, regardons tout de suite les images de ce que vous faites au quotidien, et c'est magnifique. Un émissaire en mer, bah, une thalasso ça marche à l'eau de mer, donc il faut qu'on ait la possibilité de pomper au moins pendant les marées hautes. Hein, donc on a ce qu'on appelle une crépine qui est située sur la plage de Tanchette, sur la droite de la gauche de la plage de Tanchette, pardon. Et de cet émissaire, ça nous rapporte l'eau gravitairement dans un puits qui est sur la plage de Tanchette devant l'école de voile. Et de là, on a des pompes dans le fond du puits qui nous ramènent l'eau sur la thalasso. Tous les jours, puisque l'eau est renouvelée tous les jours. Alors l'eau de mer, elle est là pour 24 heures. Elle est stockée dans des réserves, à savoir que sur le site, on a 700 mètres cubes d'eau de mer.
à savoir qu'il y a 250 mètres cubes d'eau de mer neuve, ce qu'on appelle l'eau de mer froide, c'est l'eau qui vient d'arriver du pompage. On a 200 mètres cubes d'eau de mer chaude qui vont nous servir pour les soins, pour les baignoires, pour les douches à fusion. Et on a 300 mètres cubes d'eau de mer usée puisqu'on récupère l'eau de mer usée, puisqu'on la refroidit avant de la rejeter en mer pour ne pas changer le milieu marin, à vrai dire. Et en même temps, on en récupère les calories, ce qui nous fait un préchauffage de l'eau de mer froide. Un curiste chez nous consomme à peu près 1 mètre cube, 1 mètre cube 5 par soin d'eau de mer, bien sûr. À savoir que ici, on est aussi équipé de bassins d'eau de mer, donc un bassin rééducation jet sous-marin qui fait à peu près 60 mètres cubes. On a une piscine d'eau de mer à l'intérieur que l'on appelle notre bassin détente, qui lui fait 250 mètres cubes en moyenne. Le seul bassin d'eau douce qu'on ait, c'est le bassin extérieur, puisqu'il est très dur de garder une eau saine en extérieur sur une piscine, hein, puisqu'on a l'influence des UV, du soleil, etc., qui est très compliqué à gérer. Donc on avait pris la décision de la passer en eau douce, bien que ce n'est pas le but de la thalassothérapie. Effectivement, hyper passionnant. Merci beaucoup, France. Ouais. Merci pour ça. Et vous avez compris, il faut vite courir à l'Institut Hôtel 4 étoiles, Thalasso et Spa Côte-Ouest. À vos côtés, on va changer complètement de registre, mais c'est quand même toujours dans la mer, donc il n'y a pas de souci. Avec vous, Charline Jamois. Donc vous êtes à nos côtés, vous êtes vice-championne de France de longe-côte. Alors, qu'est-ce que le longe-côte? Est-ce que c'est plutôt un sport, un loisir? Est-ce que c'est les deux? Bonjour. Bonjour. Je dirais que c'est un peu les deux. Ouais. Ça peut être pratiqué en loisir et moi je le pratique en compétition, mais je dirais plutôt les deux. Alors quel est le principe exactement, qu'on comprenne bien? Alors c'est de la marche dans l'eau de mer, avec de l'eau à hauteur de la taille. Donc, c'est dur de se déplacer dans l'eau quand on a de l'eau à ce niveau. Hein. La mer offre du coup une résistance importante sur... On le voit dans les images là, oui. Ouais, sur... Là, voilà, de l'eau à la taille, et puis on avance en essayant de coordonner les bras et les jambes. Et il faut absolument garder cette hauteur d'eau. Trop d'eau, on n'a pas les appuis suffisants, et puis pas assez d'eau, ça pourrait faire mal au dos. Donc il faut respecter cette hauteur d'eau. Je peux vous demander combien de temps ça dure, comme ça, une petite session de longe-côte? Entre 45 minutes et une heure et demie. Alors, quand on aime ça. Ouais, j'imagine qu'on ressort, on a mal partout, donc comment ça se passe? C'est très complet, oui, ça fait travailler tous les muscles, hein, les abdos, les bras, les cuisses, les fessiers, c'est vraiment très complet. Et vous avez quel type de personnes qui viennent justement faire du longe-côte? Tout le monde peut le faire? Oui, je pense que c'est adapté à tous, parce que on peut le faire en mode balade et loisirs, en rééducation pour certains, et en mode sportif et compétition pour d'autres. Alors justement, la prochaine compétition, si on a une prochaine, à moins qu'elle soit déjà passée, elle aura lieu quand? Alors elle est passée de la semaine dernière. Et zut, j'ai tenté le coup et puis ben non, ça passe pas. C'était la semaine dernière, okay. C'était une rencontre internationale avec différents pays. On sait surtout l'Afrique du Nord, la France, Italie, Espagne. Et c'était donc une rencontre internationale avec différentes épreuves, le 200 mètres, le 50 mètres pagaie et le trail longe-côte. Moi c'est ce que j'ai fait, le trail longe-côte. Et ça a été, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, j'ai gagné la course. Ouais, génial. Et ben, on peut vous applaudir bien fort. Je pense que ça se mérite. Bravo. Merci en tous les cas de nous avoir expliqué évidemment le principe et votre parcours aussi. On va parler aussi de 5 activités zen à ciel ouvert qu'on retrouve ici en Vendée, comme le yoga paddle à la Tronche-sur-Mer, j'imagine que certains ici connaissent. Le fly yoga, alors ça c'est un sport en apesanteur, vous connaissez ou pas? Pas du tout. Eh ben, ça, on vole en faisant du... J'en sais rien, mais c'est un truc de génial quand j'ai vu ça. Ça a lieu, le fly yoga à Saint-Mathurin, le longe-côte donc, que vous connaissez, donc il y en a pour tous les âges à Saint-Jean-de-Mont, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou encore au Sable d'Olonne, vous me confirmez que c'est bien ça? Oui. C'est les spots où on peut vous retrouver? Oui, oui, okay. Bah moi je pratique au Sable d'Olonne, oui, en tout cas. Donc si on veut vous voir, en vrai de vrai, il faut aller au Sable d'Olonne, c'est noté. Il y a aussi les sorties méditation en forêt, et là c'est pour se recentrer sur soi, et c'est à la forêt d'Olonne. Et il y a également les retraites yoga esprit surf, une parenthèse intime et dynamique à Longueville-sur-Mer. Alors, on va passer à Dave. J'aime bien passer du coq à l'âne, vous l'avez compris, c'est exactement ce qu'on fait, parce que de la longe-côte, on va passer aux huîtres, rien à voir évidemment. Dave Vitré,
Vous, vous êtes secrétaire général de France Écailles, syndicat national des écailliers et des écaillères. Alors, j'ai quand même une question, parce que vous avez devant vous des huîtres. On sait que c'est super bon, mais quelles sont exactement les vertus de la consommation des huîtres ? Bonjour, merci déjà de me recevoir. Alors, la vertu des huîtres, on a beaucoup d'apports de zinc et différents oligo-éléments qui permettent en effet de faire le plein de santé. Ouais. Donc c'est vrai que certains médecins pourraient les recommander sous prescription finalement. Assez souvent. Donc c'est un produit sain. On est dans le thème. Il paraît que c'est faible en calories. Comment ? Faible en calories, il paraît. Faible en calories. Il n'entend pas parce que ça ne veut pas. Si, très, si. Très faible en calories. Vous avez tout à fait raison. Oui. On peut en consommer. Nos aïeux, au temps des rois, faisaient des plâtrés à 20 douzaines. Oh, c'est un truc. Ça représente combien ? 60 ? 8 ? 20 fois 12. 20 fois, ah non, beaucoup plus, 120, je ne sais plus, je suis très nulle en maths. Alors ça fait combien ? Eh bien écoutez, ça 40. Fait... Il a calculé très vite. Sébastien, on assume Sébastien le chiffre, comme ça si on s'est planté, c'est pas grave. Allez, on y va. 240, c'est ça ? Il ne sait oui. pas, on t'entend. Non oui, mais c'est oui, juste énorme, et il pouvait digérer oui. tout ça sans problème. Ah oui, 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 ouais oui, oui, oui. Bon, c'était à la rigueur la norme même à l'époque. Bon, en tout cas, moi, on vous a invité aussi pour vous demander quelque chose, je vais être honnête. On le sait tous, ouvrir des huîtres paraît compliqué. En tout cas, j'ai l'impression qu'il faut ou un master ou une licence en ouverture d'huîtres. Est-ce qu'il y a une méthode, juste pour nous, parce que quand même, à un moment donné, il faut qu'on s'en sorte. Tout à fait. Il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de terreur autour de l'ouverture des huîtres aux fêtes de Noël. On a tous connu quelqu'un se blesser. Ouais. Mais avec quelques préconisations, quelques précautions, on va réussir à faire sans forcer, en respectant le produit. Dans ce cadre, justement, sur votre édition, on a la chance d'organiser le championnat du monde des écaillés. Ah, très bien, mais on va en parler, bien sûr. Le meilleur espoir, donc 10 candidats internationaux, 10 candidats nationaux. Et ce championnat a lieu quand ? Je n'ai pas vu la date, mais... Ça a lieu demain. Ah, ça commence demain ? Ah oui, c'est demain, demain. Est-ce qu'on est prêt au niveau des mimines ? Tout va bien ? Eh bien, écoutez, je vous dis sincèrement que les 20 candidats sont dans les starting blocks. Ah. Je pense qu'au moment où je vous parle, ils s'entraînent à la cuisson, ils s'entraînent à l'ouverture, à l'implantation, à la valorisation du produit, à la facilitation de la dégustation. Dave, ce qu'on va faire, c'est que vous allez nous faire une démo en live. Et si vous le voulez bien, je vais vous laisser lui tenir le micro si toutefois vous avez des petites indications à nous donner. Mais faisons-le. Allez, soyons fous, une petite démo en direct sur le plateau. Mais bien sûr, on y Allons-y. Va. Merveilleux. Alors... Vous pouvez parler en même temps, hein. Je pense que oui, vous allez réussir à le faire. Quelle est la première étape ? Alors, la première chose déjà, c'est d'avoir, entre guillemets, le bon vocabulaire. On va avoir un plat de coquille, on va avoir un creux de coquille, excusez-moi, ainsi qu'une charnière. Voyez ? Charlie, n'hésitez pas à rapprocher encore le micro. Donc, lorsqu'on est droitier, oui. on va mettre toujours la charnière vers soi, le plat de coquille en haut. Ensuite, la position de l'huître dans la main... En fait, pour être précis, c'est sur les doigts. Si on cherchait à mettre un petit peu tous les doigts à la même longueur, ça nous fait un creux parfait, voyez ? Ah oui. Ensuite, il va y avoir la position du couteau. Déjà, si vous avez un couteau avec une garde, là, vous le prenez, vous le mettez à la poubelle. Mmh. Il faut absolument, parce que la position idéale pour le couteau, voyez, c'est... Vous le mettez carrément sur votre pouce, la moitié quoi. Du pouce. Ah ouais. oui. Parce que le pouce va venir en sécurité sur l'huître, vous allez voir. L'important, c'est de savoir, en fait... la physiologie de l'huître, et à savoir son anatomie, excusez-moi. Vous allez avoir le pied à deux tiers, un tiers, c'est-à-dire, si on l'a coupé en trois, en dessous le dernier tiers, on va avoir le pied, le muscle, mm-hmm. qui permet en fait de maintenir le mollusque fermé. Le but, c'est d'avoir le majeur qui va arriver pile à cette hauteur. On va avoir ici, comment dire, la lame... coincé finalement, vous voyez, oui. entre le majeur et le pouce posé. Et en fait, ce sont juste les charnières, à savoir les phalanges, qui vont permettre de travailler. C'est l'huître qui travaille, ce n'est pas le couteau dans un premier temps. Ah ça, c'est important de le dire, c'est et l'huître oui. qui va faire le taf. C'est l'idée reçue, ouais. puisqu'on voit beaucoup de gens forcément Forcer. Chercher à rentrer dedans. Mmh. Le but, en fait, c'est simplement de faire un levier. Et regardez, je vais arriver, je vais simplement, avec mes phalanges, je vais venir là. Je vais pouvoir rentrer ma lame. À partir de là seulement, je vais faire une action avec le couteau. Je peux reculer ma main, histoire de ne pas me couper avec la coquille. À partir de là, je vais me plaquer à la coquille supérieure. Je sectionne le nerf. Je fais un petit peu levier.
Alors, on ne laisse pas le voile sur le, sur ouais. le plat de coquille. C'est important pour que l'huître reste vivante. On va tout de suite vérifier que le voile est bien dessus. Et sans forcer, toujours, vous voyez, je n'ai pas forcé. Je vais descendre mon couteau sur la base de charnière et je vais simplement pouvoir déboîter la charnière. Et regardez, on va avoir une huître parfaitement ouverte. On fait sortir du côté. Oulou, on a ouvert. Et là, vous montrez à la caméra, vous avez votre caméra qui est juste en face, merveilleux. Et bien, écoutez, vous voyez, allez avoir une huître. Le fait de garder son voile va pouvoir rester vivante. Et ben, enfin, si on l'a ouverte, elle peut rester plusieurs heures vivante. C'est bien là l'objectif. Donc, on en revient toujours sur les doigts, bien sécurisé entre le majeur en dessous pour ne pas passer en dessous. Le pouce à plat sur la coquille, ce qui va permettre réellement d'emprisonner la lame. Et c'est les phalanges qui vont simplement permettre de faire l'effet de levier. Avant de sectionner, on va revenir sur le plat de coquille, on va sectionner. Vous voyez, vous avez une partie tendon et une partie musculaire. La partie blanche et la partie tendon, c'est à la rigueur celle-ci, la blanche, qui tient vraiment très bien. Résiste. Fermée. Mmh. Et oui. D'accord. Donc, Dave, juste pour moi, une fois qu'on a maîtrisé cette technique, alors peut-être c'est ce que vous vous faites, en combien de temps on peut réellement réussir à ouvrir une huître facilement ? C'est assez rapide. Alors ça va dépendre parce que vous avez vraiment beaucoup d'huîtres. On a 7 régions de production en France. Oui. Hein, donc on a quand même beaucoup de littoraux. Vous allez avoir différentes variétés par région. Mm-hmm. Il est bien évident qu'une huître charnue, hein, on dit... elles sont pas grasses en fait. On a un mauvais jargon en disant gras. Ouais. En fait, elles sont essentiellement charnues. En fait, elles sont fondantes et soyeuses. Mais pas laiteuses non plus. Vous voyez, ça c'est aussi une idée reçue. Ça, c'est une période d'été sur 5 semaines où, en effet, elles vont se mettre en reproduction, elles vont être un peu laiteuses. Mais vous avez un produit, vous pouvez l'ouvrir assez facilement. Là, on a une douzaine en l'espace de 2 minutes, 3 minutes, même pas. Ça s'ouvre. Eh ben, la vache. Les fines vont être plus faciles à ouvrir. Plus elles sont charnues, plus le pied se développe et plus forcément, on dit, c'est des coffres forts parce qu'elles sont un peu plus musclées. Hein. Mais une fois qu'on a la bonne technique, ça va assez vite. Ça va assez vite. Et le tout, c'est toujours pareil, hein, c'est de travailler en sécurité. Donc, Bien sûr. Encore une fois, vous voyez, majeur, pouce. Ça y est, il est inarrêtable, hein, vous avez vu. Il va toutes vous les ouvrir. Eh bien, écoutez... Bon. Et à la limite, vous savez quoi ? Je vais vous laisser faire ça quelques petites secondes si vous le souhaitez. On peut l'applaudir bien fort parce que Dave ne s'est absolument pas blessé, bien sûr. C'est formidable, merci beaucoup. Et nous, on va continuer cette émission qui est riche et dense parce qu'on va parler de plein de choses et notamment des trésors cachés et emblématiques de la Vendée. Parce que oui, nous avons tous en nous un jardin secret. Que j'ai des questions évidemment pour mes invités et la première question que j'ai à poser est à Sébastien, vous qui adorez la Vendée, quel est votre coup de cœur ici ? C'est une bonne question parce que je crois que depuis ma jeunesse j'ai fait toute la Vendée, absolument toute, donc j'ai déménagé à plusieurs endroits et effectivement j'ai atterri ici au Sable d'Olonne et c'est vraiment là que je me sens bien. Je pense qu'il y a quand même de quoi faire pas mal de choses. C'est une petite ville. Moi, je suis plutôt petite ville que grande ville. Voilà, j'ai vécu dans des grandes agglomérations, mais au Sable, je m'y retrouve très, très bien, parce qu'il y a à peu près tout, voilà, tout ce qu'on cherche. Et en plus, elle est tournée vers la mer, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes. Et ça, c'est assez appréciable. À pied, quand on est dans le centre-ville, on peut aller sur la plage. Et il y a de quoi faire plein d'activités sportives. Donc, c'est surtout ça que j'aime bien dans cette ville. C'est une ville qui devient de plus en plus dynamique. Et voilà, c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Et voilà, en plus, j'ai la chance d'habiter tout proche de cette grande plage qu'on voit à l'image. Et forcément, j'y passe des bons moments. Et en plus de ça, on retrouve très vite au nord ou au sud des endroits un peu plus sauvages dans lesquels on peut aller courir, on peut aller surfer, on peut aller se reposer. C'est ce que j'allais dire, parce que sur votre Instagram, parce que je suis allée un peu vous stalker quand même pour savoir évidemment de quoi j'allais parler aujourd'hui. Et j'ai vu que vous étiez souvent en combi à la plage. Sur le Sable, vous faites quoi en combi ? Alors racontez-moi juste rapidement, mais... plein de sports. Plein de sports, effectivement. Et avant, j'étais très fan de surf. Et en fait, je me suis tourné plutôt vers le triathlon. Donc, c'est peut-être une combi de natation que vous avez vue, effectivement. Voilà, j'aime beaucoup ces sports-là. Il y a un club très dynamique aussi au Sable.
Et puis c'est des défis un peu plus personnels, voilà, triathlon, ça n'a rien à voir avec la voile, mais c'est aussi pour essayer de trouver mes propres limites. Je ne les ai pas encore totalement explorées, donc je continue. Il y a encore le temps, vous êtes jeune, hein? Ouais, le temps passe vite quand même, donc oui. J'essaie d'en profiter un maximum, mais c'est sûr qu'ici on a la chance de pouvoir faire à peu près tout ce qu'on a envie de faire et découvrir plein d'activités différentes. Donc coup de cœur, le sable d'Olonne et évidemment la plage, on l'a compris, avec toujours cette mer en toile de fond. Charline, rapidement aussi, et puis Franz, on va faire le tour, un petit tour comme ça, rapido, mais votre coup de cœur aussi à vous, les merveilles de la Vendée qui vous parlent, on vous écoute. Évidemment, j'habite les Sables d'Olonne, donc évidemment. Ah non, mais vous trichez tous je là. Je profite au maximum mais de la plage, de la mer, etc. Le coup de cœur en Vendée, le Puy du Fou. J'y vais tous les ans en Vendée au Puy du Fou parce que je le trouve un spectacle extraordinaire. Ouais. Son et lumière, et ils ont un talent fou d'ailleurs. Merci beaucoup, Franz. Alors moi, c'est un peu particulier, puisque oui. Je suis vendéen d'adoption, je suis parisien à la base. Et ça s'est bien passé. Alors c'est vrai, quand on passe d'un extrême à l'autre, au début, on est un peu perdu. Mais bon, moi je suis venu parce que j'ai passé mon enfance en vacances ici, on va dire, hein, c'est pour ça. Et c'est une région que j'adorais. En plus, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est voile, etc. Donc moi, c'était ma passion aussi. J'en suis pas au point de Sébastien, attention. Bientôt le triathlon, on compte sur vous, Franz. Ah non, c'est trop tard. On sait jamais, en vrai. Est-ce qu'il y a justement, si y a pas un âge... J'étais plus passionné par la planche à voile. Après, oui. Bon, l'âge venant, bah, j'ai pris une coque sous la planche à voile. Et puis bah, maintenant, je me balade en bateau aussi, à voile. Ah. Voilà. Merci, Franz. Charline. Bah moi, je travaille à la piscine du Remblai, donc j'aurais aussi dit le Remblai et la Grande Plage. Et sinon, je pense que j'aurais dit la plage du Veillon aussi, et puis l'estuaire du Perret, un peu plus sauvage. Magnifique. Voilà. On le voit justement à l'écran. Et on va finir par vous, Dave. J'ai presque envie que vous nous chantiez une chanson. Je suis désolée, depuis tout à l'heure, j'arrive pas. Dave. Mais oui. Bon, Dave, il ouvre les huîtres et il chante aussi. C'est super. Je pense que vous seriez vraiment, vraiment bien déçu. C'est pas vrai. Oui. Mince. J'ai pas cette compétence. J'arrive une prochaine fois. La Vendée, j'ai eu la chance de pouvoir y venir petit en vacances. Oui. Ça m'a beaucoup plu. Je pense que c'est d'ailleurs un des premiers littoraux que j'ai découvert, puisque j'étais également de la région parisienne. Donc ça a été l'un de mes premiers contacts avec l'océan. Et j'ai recommencé plus tard, cet été. Je suis venu en vacances sur la Vendée et j'ai eu le plaisir de connaître une belle solidarité vendéenne. Qui est, c'est important de le signaler. Ben oui, assez agréable de nos temps de voir des gens assez bienveillants, assez solidaires. Ouais, c'est plutôt chouette. Merci beaucoup, Dave. Allez, c'est parti, on enchaîne avec notre prochaine séquence, Expérience Vendée. C'est parti pour la criée des sables, Sébastien. Et tu nous prépares quoi au menu, du coup? Alors, du coup, aujourd'hui, on va faire des langoustines. Alors ici, on arrive chez Julien, notre fournisseur de fruits de mer. Bonjour Thomas. Bonjour Julien, ça va? Ça va. Je suis venu avec Sébastien. Bonjour. Et Olivier. Enchanté, enchanté. Et si tu as, on est venu chercher des petits homards, des langoustines, des araignées. J'ai ça. Des gros mâles d'araignées, le produit de saison par excellence. Hein, en ce moment, elles sont au top. Sébastien, ce que je te propose, c'est voilà ta veste de cuisine et les beaux fruits de mer qu'on a vus ce matin. On va les cuire ensemble. Parfait. Me voilà cuisinier pour une matinée. Là. Alors là, on arrive à l'hôtel et on va cuire tout ça à l'eau de mer, notre spécialité. Du coup, on va faire un petit homard à l'armoricaine. Et comme ça, on va pocher le homard à l'eau de mer. On a un émissaire au large de Tanchette qui va pomper l'eau de mer. Et on va accompagner ça avec des petites pommes de terre nouvelles de Noirmoutier. Et toi, du coup, dans ton équipe, vous êtes combien, vous, du coup? On est une dizaine, nous. Vous êtes 10 en tout? Oui. Okay. Et chacun a sa tâche aussi? Chacun a son rôle. C'est un projet qui va jusqu'à fin 2026. Donc voilà, j'espère que ce sera un projet qui s'inscrira dans le temps long.
sera évidemment. 2026, c'est juste. C'est route du Rhum. Ça va, Sébastien ? Très bien. Oui, chef. Si jamais tu attrapes un petit homard lors de ton tour du monde, tu auras une petite recette. J'en doute un peu. Bon, bienvenue en pâtisserie, Sébastien. Là, on va préparer le dessert ensemble. Bon, quel est ton péché mignon alors en pâtisserie ? Est-ce que tu es plus chocolaté, fruité ? Qu'est-ce qui te fait craquer en dessert ? J'aime mieux aux fruits en général. Le fruit ? Ouais. Lui, je ne l'ai pas volé. Ce sera un tien, c'est ça ? Je pense que tu mérites bien ton étoile de mer. Te voici étoilé de mer maintenant. Merci beaucoup. Bravo. J'ai été très très bien accueilli et ça a été une très belle expérience voilà, auprès de ces deux chefs. En tout cas, une expérience que je souhaite à bien du monde. Du coup, Olivier, Thomas, je vous invite à naviguer à bord de mon Imoca Group du Breuil. Je vous mettrai au défi de cuisiner à bord de mon bateau, parce que sinon, c'est pas drôle si c'est juste une balade. Voilà. Avec grand plaisir. Bon, Olivier, suite à notre cours de cuisine avec Sébastien, maintenant, à nous d'aller voir sa cuisine à bord du bateau Group du Breuil. Salut, Sébastien. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup. Voilà. Après m'avoir invité dans votre cuisine, je vous invite dans la mienne. Bon, bah, hâte de découvrir tout ça. Donc, bienvenue dans le cockpit. Voilà, c'est là où je passe le plus de temps à bord du bateau. Donc, c'est là où on retrouve un peu tous les instruments. Donc, ici, on y retrouve la cuisine. Voilà. La fameuse cuisine. Donc là, je vous mets au défi de faire quoi que ce soit avec ça. Donc effectivement, ouais, c'est très restreint. Quoi. Ouais. Bon, alors Sébastien, du coup, prêt pour le départ de la prochaine course On veut s'assurer que tout ce qu'on a pu mettre en œuvre sur le bateau cet hiver fonctionne bien. Et puis, ça nous permettra d'aborder le départ du Vendée Globe avec plus de sérénité. En tout cas, on va prendre du plaisir sur ce magnifique bateau. Bon, bah, Sébastien, bon vent. Merci beaucoup. Et au plaisir. À très bientôt. Merci. Et oui, on peut l'applaudir bien fort. Une expérience incroyable vécue à la criée des Sables d'Olonne. Sébastien, qu'est-ce qui vous a marqué le plus lors de ce rendez-vous et de cette expérience quand même qui est assez dingue, assez unique au final. Ça me fait plaisir de revoir ces images, effectivement. Et, c'est toujours des bons moments passés. C'est sûr que voilà, on est énormément sollicité. En fait, quand on repense à tout ce qu'on a la chance de vivre, c'est une belle expérience. Et pour rappel, Olivier, Thomas et l'hôtel Thalasso Côte Ouest font partie du groupe du Breuil. Donc j'ai vraiment la chance d'avoir un sponsor comme celui-ci qui me partage des belles expériences. Des belles rencontres aussi avec Thomas et Olivier qui ont navigué à bord du bateau. Ouais. Voilà, je pense qu'ils méritaient bien ça après un bon repas cuisiné au homard. J'ai pas la chance tous les jours d'en manger. Donc, alors justement, vous parlez de ça parce que j'ai cru lire aussi quelque part que vous emportiez assez régulièrement sur votre bateau des bonbons. Parce que ça fait du bien. Et on est loin justement des homards et autres. Mais ça vous fait chaud au cœur du coup ? Des petits bonbons. La course au large, c'est surtout d'autant plus dans ces bateaux à foil qui sont d'une violence certaine. Mm-hmm. Le côté mental est très très important et effectivement, à un moment, quand on est seul en mer, il n'y a que la nourriture à laquelle on peut se raccrocher. Ouais. Et on appelle ça plutôt de la nourriture plaisir. Alors certes, c'est peut-être pas très nutritif. Par contre, ça aide à dormir, contrairement à ce qu'on pense, effectivement. Presque le bonbon doudou, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, c'est réconfortant et ça permet de passer à la suite et voilà. Donc des fois, dans des moments difficiles, avoir un peu de nourriture plaisir, c'est essentiel. C'est essentiel. En tout cas, on était ravis de voir que vous avez pris plaisir à la criée des Sables d'Olonne. Et sachez que vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez découvrir cet univers fascinant. Alors, lors de visites organisées en groupe ou pour les particuliers. Alors attention, notez bien que c'est quand même très tôt le matin. Sébastien, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, mais c'est 5h30 jusqu'à 7h30. Et c'est entre avril et novembre. Munissez-vous quand même d'un équipement chaud, de chaussures bien fermées. Rendez-vous en face de la criée 10 minutes avant. Et pour information quand même, et à noter, c'est assez important, le site est non accessible aux personnes à mobilité réduite. Bon, je vous en avais parlé, il est temps de passer à notre fameux quiz, c'est
parti. Alors, je vous l'ai dit, à la maison, vous ne pouvez pas complètement et directement jouer. Néanmoins, vous êtes avec vos enfants, vous êtes avec qui vous voulez. Participez en famille, répondez aux questions que je vais poser à notre public qui est ici présent. Et je me tourne tout de suite vers ce cher public. Vous avez donc scanné, il me semble, le QR code tout à l'heure. Est-ce que vous allez maintenant pouvoir vous munir de votre téléphone pour saisir le code suivant du jeu VG 2010 ? Tapez bien ce code-là pour pouvoir participer et répondre donc le plus rapidement possible à mes questions. Et à la fin, nous aurons trois gagnants en fin d'émission. Et je vais vous parler tout de suite des trois superbes lots à gagner. Alors, ils sont d'une valeur globale de 1 000 euros. Autant vous dire que c'est plutôt sympa. Et tout se passe à l'hôtel Côte-Ouest. Merci donc à vous. Le lot numéro 1, un séjour, 2 jours, 2 nuits pour 2 personnes en escale découverte comprenant 4 soins, plus un accès illimité au club fitness bien-être avec un petit déjeuner. Le lot numéro 2, 2 repas buffet fruits de mer avec dessert. Et le lot numéro 3, 2 entrées au club fitness bien-être. Est-ce que vous êtes prêts, cher public ? Non, attendez, vous passez à la télé, hein ? Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Ah, et puis je vois qu'il y a les enfants, vous pouvez participer avec papa et maman, bien sûr. S'il y a des ados, c'est la même chose. Est-ce qu'on est prêt à répondre à cette toute première question ? Tout le monde est bien concentré, je compte sur vous. On y va ? Alors c'est parti. Combien de centres de thalassothérapie trouve-t-on en Vendée ? 2, 4 ou 0 ? On vous laisse une vingtaine de petites secondes pour y répondre. Soyez efficaces. Alors, vous avez une idée, vous, dans mes invités ? Alors, on dit rien. Ah, et la bonne réponse était, j'espère que vous avez bon, la réponse 2. Oh, j'entends des gens, oh zut, j'étais à 2 doigts, c'est pas vrai. En tout cas, on continue, on reste concentré. Question numéro 2, comment appelle-t-on un producteur d'huîtres ? Un maraîcher, un saunier, un ostréiculteur ? Bon, elle est facile, celle-là, hein. En vrai de vrai. Non, c'est vrai ? Pour les Parisiens. Pour les Parisiens, on ne sait pas, mais bon, non, je rigole. En tout cas, pour les Vendéens, vous n'avez pas le droit de vous planter. Alors, encore quelques petites secondes. Un maraîcher, un saunier, un ostréiculteur. Soyez concentrés. Et la bonne réponse était la dernière, un ostréiculteur, bien sûr. Vous pouvez vous applaudir si vous avez réussi. Hein. Moi, je suis fière de vous. Ah, on ne sait pas trop. Ils sont un peu timides sur les applaudissements. Alors, question numéro 3. Quel produit naturel est utilisé pour les soins à la thalasso du Côte-Ouest ? On en a parlé tout à l'heure. L'eau de mer, le concassé de coquilles d'huîtres ou les vers marins ? Je ne sais pas ce que ça donne, le concassé de coquilles d'huîtres. Je vous laisse réfléchir, je ne dis rien. J'influence personne. L'eau de mer, le concassé de coquilles d'huîtres ou les vers marins ? Et la bonne réponse est... Évidemment, l'eau de mer, bravo à vous, le quiz est terminé. Les dotations, comme je vous l'ai dit, sont magnifiques. Donc, félicitations, je donnerai le nom des 3 gagnants à la fin, évidemment. Et j'ai envie de vous dire que ce petit quiz m'a donné faim. Donc on va parler de toutes petites choses qui nous donnent envie de faire briller les papilles. C'est parti, voici tout de suite Gourmandise et Délices. On a la chance d'accueillir à nos côtés, vous pouvez l'applaudir bien fort, Olivier Robin, s'il vous plaît, chef au restaurant Côte-Ouest. Olivier, vous avez été formé à la maison familiale rurale de Saint-Michel-Mont-Mercure. Vous avez aussi exercé dans les îles des Antilles françaises, Saint-Barthes par exemple, ou encore en Martinique. Parlez-nous rapidement de votre parcours. Vous êtes un peu loin, mais je vous assure, on vous voit et on est très content de vous avoir à nos côtés. Bonjour à tous, merci de me recevoir à vos côtés. Oui, effectivement, j'ai un parcours issu de la boulangerie-pâtisserie, boutique. Ah oui. Je me suis spécialisé dans le dessert de restaurant à l'âge de mes 20 ans. Voilà, très rapidement, je suis rentré dans le circuit hôtelier, où là, on m'a laissé ma chance, j'ai pu m'exprimer, me donner des opportunités pour approfondir ce domaine-là. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être chef pâtissier et sous-chef de cuisine au sein du restaurant de l'hôtel Côte-Ouest au Sable. Voilà. J'ai envie de poser la question à Sébastien, mais vous avez testé un petit peu ?
Oui, je peux vous assurer que le résultat de mes pâtisseries ne sont pas au niveau de celles d'Olivier. Alors justement, Olivier, puisque ça me fait une super transition, vous avez un dessert signature, j'ai envie de l'appeler comme ça, parce que très sincèrement, quand on m'en a parlé, j'ai eu du mal à le croire. Je me suis dit, mais ça doit être un truc de dingue à voir et à goûter. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, avec plaisir. Donc comme vous avez pu le voir lors du reportage précédent, j'ai eu la chance de concocter un dessert aux côtés de Sébastien. Ouais. Donc à son image, liée au milieu marin, voilà. Donc j'ai donc créé une noix de Saint-Jacques en trompe-l'œil, donc à consommer en dessert, entièrement sucrée, sans gluten, avec la complicité de Sébastien qui m'a donné de l'aide pour le montage de ce dessert. Voilà, donc chose que je vais vous représenter aujourd'hui. Eh ben super, vous savez quoi, j'ai trop envie de voir, donc je vous laisse la main, allez-y, montrez-nous, expliquez-nous, on vous écoute, hein. Et moi j'ai déjà l'eau à la bouche, donc allez-y. Alors tout d'abord, pour vous donner un aspect visuel, j'ai fait faire à notre service technique un pochoir à l'imprimante 3D pour représenter quelque part l'ombre d'une noix de Saint-Jacques. Donc je vais déposer au tamis un décor sucre-glace pour représenter son ombre. Ça, les enfants doivent adorer. Hein. Parce que c'est un pochoir comme on en trouve aussi dans le dessin, hein, très clairement. Tout à fait. Avec un support carton, papier, on peut très rapidement le réaliser. Hein. Voilà. Je viens de poser l'empreinte. Tac. Je vais faire la même chose sur la coquille qui me servira pour refermer mon coquillage. Donc là, mon support est une pâte sablée à l'amande et à la noix de coco. Et d'accord, donc ça, c'est votre coquille. Ce sera mon couvercle, oui, tout à fait. Parfait. Voilà. Donc, une pâte sablée sans gluten. On utilise de la farine d'amande, de la noix de coco, pour le côté gustatif également. Donc ça, je le réserve. Voilà. Cette coquille, je vais la garnir avec un crémeux au fruit de la passion. Le fruit que Sébastien affectionne particulièrement. J'ai pris l'avion, si on peut dire, pour aller dans les Antilles chercher des bons fruits de la passion, du citron vert, que j'ai ramené pour ce dessert. Voilà. Tadam, magie, c'est déjà prêt. Le petit crémeux aux fruits de la passion. Voilà, donc on est sur un jus de fruits de la passion qu'on va cuire légèrement et que l'on va monter au beurre. Oh là, je dépose ma deuxième partie de la coquille ouais. que je vais garnir avec ce crémeux. Moi, j'adore regarder la technique. On est sur une texture crémeuse, de l'onctuosité, avec beaucoup de gourmandise. Grâce au fruit de la passion, on a une acidité qui fait baisser le ressenti du sucre en bouche. Oui. Pour beaucoup de fraîcheur et de plaisir. Ça paraît simple, mais j'assure que c'est pas... C'est ça, c'est aussi compliqué que le reste. Hein. J'ai apporté à ce dessert un petit insert qui va être la perle de la noix de Saint-Jacques. Elle est faite en quoi, cette perle? Alors, cette perle, c'est une sphérification à base de pulpe de mangue et de fruits de la passion. Pour aller jusqu'au bout de l'histoire, voilà, je me suis dit, pourquoi pas créer une noix de Saint-Jacques avec sa perle à l'intérieur. Merveilleux. Donc voilà, je vais assembler deux demi-sphères, comme ceci. Pour faire voilà. Une boule Donc là, on est sur une texture un peu plus dense, une sphérification. Donc on a un contour qui va être gélifié et l'intérieur qui va être beaucoup plus souple. Voilà. À présent, je vais venir recouvrir avec ma noix de Saint-Jacques. Ah, c'est canon. Voilà. Pour la fermer avec l'ouverture ouverte. Oh, c'est génial. Incroyable. Montrez-le bien à la caméra, effectivement, qui est juste en face de vous. Mais c'est superbe. Pas fini. Avec Sébastien, on avait réalisé une meringue italienne. Là, je me suis dit, pour baisser encore plus le côté sucré, on va venir y déposer un petit nuage de noix de coco. Voilà, pour avoir le fil conducteur, pour rester dans l'exotisme. Donc, j'ai préparé un espumat à la noix de coco, composé de lait de coco, de pulpe. Je l'ai exhausté avec du citron vert, pour donner un peu plus de peps. Et on va le déposer pour apporter justement un peu plus de gourmandise et de légèreté. Voilà. Vous en mettez combien, là, des petites... Donc là, je vais faire trois chantilly, oui. On peut dire, qui vont représenter un peu une étoile de mer, quelque part. Ça va être les coquillages qui vont entourer et protéger la coquille. C'est un tableau, hein. Voilà. C'est chouette.
Je vais zester du citron vert frais dessus. Ah, du zeste. Juste avant la dégustation, ce qui va apporter beaucoup de fraîcheur. Voilà. Donc là, on a les petits coquillages qui protègent l'ananas de Saint-Jacques. Et puis, on va déposer du fruit de la passion frais pour aller jusqu'au bout de l'histoire, qui peut présenter des grains de sable ou autre, et qui vont avoir un réel intérêt aussi gustatif. Donc ça, c'est des choses qui sont facilement réalisables à la maison. Une pâte sablée sans gluten, un crémeux aux fruits, en utilisant la pulpe des fruits de la passion, de l'œuf et du beurre. Voilà. Je riais un peu, Olivier, parce que Franz, ici, à table, me regarde genre, oui, c'est facile, quand même, quoi. Il faut un peu de technique. Voilà, comme ceci. Là, c'est juste magnifique. Et voilà, notre dessert est prêt. Oh là là, montrez-nous ça. Ah, vous venez carrément, mais oui, venez. Olivier, merci. Donc, je vous présente. Alors, nous, on va le regarder en la noix de Saint-Jacques en trompe-l'œil. Oh là là, génialissime. Avec sa perle. Est-ce qu'on peut la voir? Alors, regardez, rapprochez-vous. Alors, de quelle caméra on va se rapprocher? Tiens, dites-moi là, en régie, comme ça, je sais. Est-ce qu'on prend la caméra qui est juste à côté? Donnez-moi votre assiette. À la limite, je vais me permettre. Ce serait dommage que je tombe. Le mauvais moment. Alors, voilà. Est-ce qu'on l'a bien? On est bien là, hein? Est-ce que le public a vu? Magnifique, hein? Très beau. Génial. Merci infiniment. On a le droit de... Je vais goûter un petit peu. Hein, si vous avez des petites cuillères... Est-ce que je peux vous emprunter, Sébastien, 2 minutes? Ah bah, ça dépend, si vous me le rendez après. Préparer des monoportions, si vous voulez déguster. Bah, écoutez, oui, on va faire ça. Je vous récupère après. J'ai des petites questions à poser à mes invités. Donc, faisons ça pendant que moi, je pose mes petites questions aux invités. On fait ça? Merci. Eh bah, très bien. Alors, c'est parti. Nous, on va parler justement du Vendée Globe, qui est un incontournable, et on le sait tous ici, riche en souvenirs marquants. Alors, j'aimerais savoir pour chacun d'entre vous s'il y a quelque chose, un souvenir, une Madeleine de Proust, un événement mémorable d'un Vendée Globe que vous avez en tête. Alors, je ne sais pas, je vais commencer évidemment par vous, Isabelle. Oui, alors surtout la première année et les arrivées, l'arrivée des skippers, le premier jusqu'au dernier. Et le dernier, c'est vraiment c'est une émotion, mais grandiose. Vous êtes déjà arrivé d'avoir vraiment les larmes aux yeux, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait cette course, mais vous êtes tellement avec les skippers que bah, vous êtes pris par l'émotion. Oui, bah, complètement. De toute façon, même quand ils partent, on a vraiment le cœur qui bat et on est là en train de les encourager, on crie. Donc c'est vraiment quelque chose d'intense. Bien sûr. Vous avez aussi un souvenir particulier, chacun ? Moi, je me souviens de la victoire de François Gabart. Ah oui. Je n'étais pas là avant, c'était le premier Vendée Globe auquel j'assistais et je me rappelle de sa victoire à lui. Ça, c'est des moments vraiment mémorables qu'on ne peut pas oublier. Mais les petits aussi adorent être présents et voir ça. Et je sais que c'est toujours une foule immense qui vient acclamer les skippers à la fin. Est-ce que vous avez peut-être un autre souvenir où tout le monde est sur les mêmes souvenirs, parce que c'est vrai que c'était les grands moments marquants? Je vais être très sincère, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir des souvenirs avec le Vendée Globe, donc je compte bien en faire cette année, du coup. Ah, on les crée, les souvenirs, vous le savez. Et, hein. Et oui, je pense que c'est là la seule vraie richesse. Eh bien, parfait. En Vendée, on le sait, on finit aussi en musique. Alors, c'est parti pour notre séquence qui est très Good Energy. Je sais que vous êtes loin de moi, revenez deux petites secondes juste pour parler de musique avec moi. En mer, vous n'êtes jamais réellement complètement seul, alors si physiquement, mais vous aimez quand même, on a compris, être accompagné de bonbons pour les petits doudous qui font du bien, mais il y a aussi des chansons que vous écoutez, notamment un titre que vous aimez particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous savez pas? Mince, il n'est pas au courant. J'ai l'impression que faites c'est semblant, la question faites piège, semblant, alors, faites semblant, pas du tout. Non, j'ai entendu parler d'une chanson de Coldplay. Alors attendez, vous voyez ou pas laquelle? Celle que vous passez, vous êtes obligé de dire oui maintenant, c'est trop tard. Hein. Celle qu'on passe, mais si, oh, Sébastien, bon, allez manger un petit bout de gâteau, c'est pas grave. Non mais, cette chanson-là, tout le monde la connaît? Viva la vida. Allez, on tape dans les mains, c'est parti. On met un peu plus de son sur le plateau, s'il vous plaît. Mais oui, bah alors, Sébastien, vous n'écoutez pas cette chanson? Si, bien sûr, oui. Oh, il m'a pourri ma séquence, j'en peux plus. Allez, la musique, évidemment, fait partie de ces moments qui sont importants. Vous allez manger du gâteau, Sébastien, parce que vous ne m'avez pas servi à grand-chose sur ce coup-là. Hein. Désolé. Mais alors, vous me ferez plaisir.
Justement, emmener cette chanson sur le bateau, à un moment donné, si ça ne va pas, vous la mettez, vous repensez à cette séquence de moments de solitude que vous m'avez faite, et comme ça, vous allez être moi seule, ok? Allez, on continue. Vous pouvez aller grignoter quelques petits morceaux si vous le souhaitez. On arrive à la fin de cette émission déjà, parce que le temps passe évidemment à une vitesse complètement dingue. Merci à vous tous de nous avoir suivis, qui étaient en live de l'autre côté. Regarde-moi ça, il nous a fait des tout petits gâteaux. Formidable. On va déguster ça, évidemment, jusqu'à la fin du générique. Merci à vous tous, mes invités incroyables, formidables. Merci au public, vous avez été top. Merci les enfants. Merci infiniment. Et moi, j'ai été ravie d'être à vos côtés. Et alors, save the date. Vraiment, vous avez rendez-vous pour la prochaine émission Expérience Vendée qui aura lieu le 23 octobre avec Clément Lanoux, Jean Lacam et Sam Davies. Et quant à moi, comme je vous l'ai dit, ça a été un pur bonheur d'être à vos côtés. Merci à tous. Je vous embrasse bien fort. Merci à toi, Seb, pour cette petite blague que je n'oublierai jamais. On va manger ensemble ce petit gâteau et on te souhaite évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur sur cette traversée. Un dernier mot peut-être et on termine là-dessus. Qu'est-ce que tu as à nous dire ? Eh bien, merci beaucoup. Et écoutez, c'est une expérience incroyable que de vivre un Vendée Globe, à la fois en tant que spectateur, mais aussi en tant qu'acteur, puisque je me considère un peu comme un enfant du Vendée Globe. Donc, profitez bien de tout ça. C'est beaucoup d'émotions et je pense qu'on a une discipline sportive qui est incroyable. Et on s'apprête à vivre une expérience de fou. Et c'est aussi grâce à vous, tout ce public qui est présent ici. Et voilà, c'est pour ça que la fête est aussi belle. En tout cas, on est à tes côtés. Good luck et bisous à tous. Salut.